bois caïman lié. Bois caïman, c'est un coquin chaîne date historique 14-15 d'août 1791. Nous prenons gagner comme invité spécial Nord-Luc d'Orange en direct du pays d'Haïti dans Cause Nef, Cause Frais à Jafrique Haïti. C'est la troisième édition de l'émission ça sous format vidéo. Donc, pour nous te rappeler dans la première édition sous vidéo avec la deuxième édition sous vidéo, Cause Nef, Cause Frais, son expérience, nous commençons dans le début Internet, présence haïtienne sur Internet. Pas tout début, parce que nous quand même gagnons les pionniers que nous toujours saluer, Windows on Haiti, avec les plateformes discussion en parler et l'atelier. Eh bien, nous-mêmes, dans la zone année 99, yo, nous faisons collaboration avec Henri Deschamps, qui a identifié des gens qui a écrit, qui a dit des bagailles que il pensait qu'il voulait partager avec une quantité de monde. C'est comme ça, nous avons créé Cause Nef, Cause Frais. Et ça nous a fait faire dans Cause Nef, Cause Frais, c'est venir avec quelques pensées qui pas vulgarisé assez d'après nous-mêmes. Ouais. Donc nous avons gagné une série de l'idée que nous avons lancée pour qui ça nous continuons à dire depuis la Guinée Nègre et Nègre. Et bien entendu, c'est un bagage que nous avons gagné n'importe une bonne dizaine d'années depuis que nous avons commencé à dire nous-mêmes depuis la Guinée Bon Nègre à Pédé Nègre. Mais nous ne voulons pas pour que c'est un simple slogan. Et nous continuons à faire travail pour nous voir qui gens pensent ça yo capable vinn tourner et paroles que non seulement n'a dit mais qu'on a pratiqué dans la vie nous. Et bien c'est comme ça que il y a plusieurs suggestions tout nous t'ai fait dans cadre et série ça Cause Nef tant Cause Frais côté que nous t'ai bail tête nous défi comme ça tout nous t'ai identifié des bagailles que nous t'a capable faire au niveau collectif y compris au niveau de l'État haïtien et youn dans initiative nous t'ai proposé l'État haïtien c'était pour président René Garcia Préval à l'époque qui t'a participé dans conférence de la francophonie dans ville Moncton au Canada et bien pour soulever dossier restitution. À l'époque, pas de gagnant, il y a un dossier restitution comme tel, et son parole qui était plus ou moins dormant. Nous t'ai fait calcul là, nous t'ai estimé que la France t'a dû remettre à Haïti 2 milliards de dollars, mais de toute façon, président Préval, pas de côté nous t'en prochain. L'y a la conférence là, l'y pas parler parole comme ça, c'est l'autre parole qu'elle t'a parlé. Mais alors, nous connaissons que ça qui t'est arrivé, quelques années plus tard, le 7 avril 2003, président Aristide soulevait la question. Mais entre-temps, entre 1999, nous avons soulevé le point avec le président Aristide fait déclaration formelle et dans Port-au-Prince, dans le cadre de célébration, commémoration la mort de Toussaint Louverture, et le combat qui était fait, M. Blanc, au fâché en pile. Mais entre-temps, il y a la conférence de Durban en Afrique du Sud, côté que Cause restitution et réparation était en tête de ligne et Haïti a participé à la conférence de Durban. Je veux dire, nous allons parler de défis. Défis que nous gagnons devant nous toujours par rapport à l'héritage nous comme petite Afrique guinéenne qui fait un combat extraordinaire. Contre une série de l'armée qui était plus gros l'armée qui existait sur la planète là à l'époque. Parce que très souvent, nous parlons de la victoire que nous portons sur l'armée française. Et ça capable de faire les gens penser que eh bien, l'autre puissance impérialiste, il y a des guerres puis il y a des vagues depuis bien bonheur. Non. Toute période 1794, 95, 96, blanc anglais était venu occuper une bonne partie dans Zilea.
c'est 55 000 soldats anglais que nous t'es obligé à péter fielio pour nous t'es capable camper jam vont ouais que nous t'es venu une capacité pour nous faire là à travers dernier combat yo qui déguerpit les blancs français. Mais alors, c'est ni blanc français, ni blanc panyol, ni blanc anglais que nous t'es obligé battre, bien battre, pour nous porter la victoire ça. Nous disons ça déjà, nous répétons ça tout le temps que nous baillons en pile bon coup, mais nous porter mac tout. Oui. Victoire ça yo nous pas poté yo pour bay nèg droit battre l'estomac yo marcher faire jolé par ci par là que dans telle année nous te calé telle l'année. Et pas pour ça zancet yo t'a goumen. Et c'est ça qui fait jodi a nous voulons prendre un petit temps pour nous réfléchir sur importance et rencontre ça qui était faite dans cadre planification liberté ça que les ancêtres nous ont toujours espéré que vous t'appelez rejoindre parce que il est toujours important pour nous songer il y a pas de kidnapper esclaves en Afrique il y a des kidnappés docteurs il y a des kidnappés infirmières il y a des kidnappés monde qui était savé dans produit manger agriculteur il était kidnappé papa, il était kidnappé maman, il était kidnappé petite frère, sœur, c'est moun yo t'a kidnappé. Et moun sa yo, t'es toujours connait que c'est moun yo. Hein? Et c'est ça qui fait que jodi a dans brasser l'idée ça nous va le faire là. C'est pas un historien français qui vienne et parler nous de qui les nèg vinn moun. Ouais, comme Sim Dadou bon déclaration supposée faite en France qui pour décréter que nèg moun kounya là ça c'est bay moun yo importance que yo pas gagner et d'autant plus les nous consulter fait papier l'histoire yo et ça nous dit sans joler tout simplement ça relé réalité objectif là ça veut dire fait yo le regarder yo sans parti pris c'est bon côté pas nous supériorité morale là té lié et c'est là lié je veux dire dans dossier ta cour restitution à réparation hein seul bagaille qui permet que Dominique de Villepin, Jacques Chirac, George Bush, Jean Chrétien tout blanc malveillant ça qui était participé dans coup d'état 2004 là était capable camper c'est la force physique. C'est la violence. Mais au niveau moral, ça veut dire au niveau vérité, pas gen youn nan yo qui était capable de défendre la position que yo te prend. Parce que, li clair, que richesse que descendants blancs français, blancs espagnols, blancs portugais, blancs allemands, blancs suédois, ah oui, blanc norvège, blanc hollandais, blanc portugais. Ah non, faut pas oublier ça. C'est presque toute l'Europe net qui participe dans le crime là. OK? Y compris le Vatican bien entendu qui c'est en puissance politique, faut pas jamais oublier ça, militaire, économique. Et bien entendu, yo mettez religion là dans tout comme une des outils que yo utiliser pour yo faire atiboisaille. Et là, nous pas parler et de façon folklorique. N'a parlé du fait que gon entité légale qui relève de Holy See qui c'est l'église ça son entité légale liée ça veut dire l'enregistrer comme une corporation qui t'est participé activement dans le crime esclavagiste de A à Z et ça faut nous comprendre ni bien parce que razia yo attaque qui fait sur l'Afrique yo coïncider avec un série de bagages qui t'a passé dans la superstition organisée que aurait le christianisme là. C'est ça qui fait que bien que là nous parler de Holy See qui c'est une entité légale qui est liée à l'église catholique, eh bien l'autre entité légale qui est liée à l'église protestante, yo même tout
yo participé dans crime nan. Et bien entendu tant qu'on nous dit plusieurs fois et ça li authentifié dans toute recherche yo bateau négrier yo te kan gen yon équipage mixte là-dedans. Ça veut dire que parmi moun kap financé yon expédition attaque sous l'Afrique ou te joine qui te juif en pile juif. OK? Ou te joine et bien entendu musulmans qui étaient déjà sur le continent d'Afrique là à faire des razzias et ou te joine protestants et catholiques en même temps. Un exemple très célèbre c'est ça nous relait bateau le Jésus de Lübeck. Un bateau négrier que la reine Elisabeth I d'Angleterre t'a commandé avec compagnie dans crime là qui était le John Hawkins et yo même de commencer attaquer côte de l'Afrique et yo kidnappé plusieurs centaines d'Africains dans premier voyage ça yo qui t'est fait sur continent. Et bien entendu, yon l'autre aspect qui est intéressant dans recherche qu'a fait tout et kounyan la zouti nou gen à la disposition nou pa gen yo longtemps. Ouais. Kounya nou ka fè test ADN. Ouais, parce que en pile haïtien k ap fè test ap rann yo kont ke yo gen yon bon pati nan ADN yo ki Brésil. Mais côté bagay sa puisque c'est seulement dernièrement nous connaît que haïtien pral Brésil. Ah! Mais nous saute Brésil en van nan Haïti. Oui, ADN nou gen longtemps. La bougé sou planète la. Eh bien, c'est pas étonnant que en pile haïtien les au fait ADN yo, yo rend yo compte que yo gon paquet cousin lointain bien entendu qui au Brésil. Parce que premier razia yo c'est portugais qui t'a fait yo mené nèg yo sous gros terre ça qui c'est le Brésil, donc aucun chaîne territoire et c'est ça fait journée jodi a en dehors de Nigeria qui était fait partie du royaume de Dahomey en Afrique de l'Ouest, eh bien c'est Brésil qui a plus monde noir sur planète là. Ouais. Donc là où on a fait voyage ça revenir jeudi à nous aller au Brésil, eh bien c'est famille qui a rencontré avec famille toujours. Monde qui branché sur page Facebook moi un matin et nous capable voir que petit partage que m'était fait avec nous. Sous pourquoi regarder nous encourage à le faire un coup d'œil. Notamment yon ti palè que mwen te fè te gagnen privilège et honneur et vraiment la joie par hasard nan quoi dernier jour que m t'ap fè sou ti territoire sa ki rele Livingston ki nan pointe Guatemala et puis monsieur tout est là pour dernier jour li pral monter bateau pour traverser pour y aller dans le pays qui c'est Belize. Eh bien, moi rencontré Dr. Ludwig Palacio, qui c'est un vétérinaire. Monsieur tout son artiste peintre, et puis monsieur son organisateur, un monde qui a rebâti mémoire, peuple, ça y aurait les Garifuna ou bien Garinago, dans zone ça, qui c'est Amérique centrale. Et vraiment, t'as commenté écrit lui deux yeux dans la tête mais sorti. Les docteurs Palacio expliquez-nous que côté de Campea, ville de Livingston, sont haïtiens qui fondent. Hein? Marco, que on dit des fois Marcos Sanchez Diaz. Bat y a aucune connaissance de ça. Son rencontre qui fait par hasard comme ça. Et puis frère dit ça kakou, en passant parce que et pas de ça n'a pas parlé du tout mais tu commences à parler de Cop Petrocaribea que je dis comme ça que yo même dans Belize bien que il y a accusation que nèg fait cocher en partie dans Cop là mais il y a pile travail qui fait avec l'argent au niveau infrastructure c'est de ça n'a pas parlé et puis nous venons rendre nous compte ses cousins qui a parlé à cousin bon. Moi utiliser expression cousin légèrement comme ça c'est pas comme moi même personnellement qui cousin à monsieur non mais dans la réalité les paysans yo paysans haïtiens après les youn lot frère sœur cousin son bagage réel lié
par rapport avec l'expérience que nous avons vécue sous plantation esclavagiste là. Parce que tout bon vrai, ils ont pris nous, ils ont divisé nous, ils ont gagné nous. Et c'est vraiment un travail, une mission que l'on a joué aujourd'hui pour famille reconnecter une à l'autre pour nous capables et faire partage là. Nous avons fait une belle rencontre là et pendant un spectacle là, nous avons regardé les artistes et puis nous avons remarqué les citoyens. Mais quand nous avons fait une rencontre encore, c'est le docteur Palacio. Nous avons fait un petit peu avec elle. Monsieur Simone Belize qui est en face là. Et quand nous avons fait un petit peu là, nous avons parlé en anglais. Docteur Palacio, c'est vraiment un honneur et un privilège to spend the time talking to you. I saw you yesterday at the show. Yes. I heard you introduce yourself as being from Belize with yes. Some of the artists. Yes. But you are here in Guatemala, in mm-hmm. Livingston. I suppose this yeah. is your neighbor, so you come yes. here often. Often. I've been here since I was about 16 years old. Okay. So I've been here, that's like 40 years, back and forth. Okay. And I have little teacher, friends, colleagues, professionals, artists, and this trip is particularly for artistic purposes. Okay. I am called, I am a Garifuna author, okay. sculptor. I do painting, mostly abstract, so I'm also an artist, and the reason I'm here is for artistic purposes. Okay, okay. Now, but you say that you also are a veterinarian. Yes, by profession I'm a veterinarian. Since 1989, I have my own private clinic. Okay. And that is mostly what I do to maintain the family and pay my bills, basically. Okay. So but that's the majority of what I do. Okay. Now, oh, sorry. Okay. You have to go. You come right back. Okay. You coming back? Okay. Well, let me just follow you then. Okay. If you don't mind, I'll just do a little bit of the... In your case, have problems of embezzlement of the funds that create any controversy in your country? Well, I don't have any concrete proof, but I have heard things like that before. But since I don't have any concrete proof, yeah. I don't think I can really comment on it. Yeah, but in general, this is not a subject of constant demonstration or conversation in the country. In the newspapers, we do hear things to that extent, but there hasn't been any. La negra grande, aquí adentro. Excusez, n'a pas un petit temps dans mes docteur Palacio, mais monsieur Genvalise dit pour le prendre là parce qu'il pourra le voyager. C'est en instance de voyage nous rencontrer monsieur là et nous bien contents du fait que monsieur a parlé nous de qui Jean et bien question Petrocaribe a géré et dans Belize et donc il dit nous comme ça que il n'est pas capable parler de corruption pour l'agent Petrocaribe en Belize. En pile dans stade qui gagne dans Belize, c'est l'agent Petrocaribea qui fait yo. Mais il gagne un article dans le journal qui parlait de ça. Comme il n'y a pas grand qu'une preuve, il n'y a pas qu'à parler de ça lui-même. Mais il dit nous tout que yo gagne évidence en pile infrastructure que l'agent Petrocaribea li couvri. Et nous avons remarqué que Belize te fait abstention tout. Le te gagne vote non OEA pour Venezuela et me suis expliqué que c'est un gros problème que lié côté que négio forcé au pays pas capable de faire solidarité j'ai un tableau faire waouh ça c'est travail docteur Palacio donc je t'ai dit nous ils sont vétérinaires mais vraiment et vrai passionné c'est et la peinture. Ouais, donc ça c'est travail okay, que monsieur fait là. Well, merci. Wow. Merci en pile. Yeah. Watch out. So when you speak Garifuna with Garifunas from Livingston, how much difficulty is there to minimum, understand? Almost no difficulty because wow. We are a nation across borders. Yeah. We are one people and we have always maintained very consistent and constant communication with our people in the
four different countries. What about family ties? Are there cousins? Irma is my family. Yeah? And she lives in she lives here in Livingston. Okay. Yeah, through the Avila side, she's my cousin. And all the way to Honduras, you maintain those ties. We maintain very, very close ties. So that's very unique about the Garifuna people, in that we have maintained constant connection. Yeah. Now, I've heard that somebody was talking about the founder of Livingston, Diaz, I believe? Sanchez Diaz. Yeah. And someone said there's a little bit of controversy as to whether he's of Jamaican origin or Haitian. He was Haitian. Okay. He was Haitian. Because the year is 1806, right? I think you'd have to ask him another question. If you're a kid for being Thomas Sanchez Diaz, I can't even know. No. Yeah, someone yesterday at the center told me it was 1806, which in a way could make sense because Haiti took its independence in 1804. But 2 years later, they murdered Dessalines. And so the Africans were once again in danger because a lot of the mulattoes never wanted true freedom. They simply wanted to replace the whites. Yes. And that's what happened in a lot of Latin America. You know, even Bolivar and Miranda, they released their own personal slaves, but they did not abolish slavery until 1886, 1888. So that's why, the Haitian Revolution was successful, but 2 years later, when they murdered the founder, you essentially have a counter-revolution. Yes. And that's why black are still the most impoverished in Haiti. Exactly. Which is their own country. And Haiti was also instrumental in actually financing Simón Bolívar. Exactly. So part, and yep. Also part of the United States independence. I think Haiti also assisted. Yes, in Savannah, Georgia. But those information have been deleted. Yes. Iranians, they want to get it out of history. Yeah. And they still continuously try to treat Haiti with that degree of, I would call it, discrimination. Yeah, indeed. You know, so that's something that we still have to deal with. You know, I felt so good hearing some of the music yesterday, and I was trying to catch some Creole sounds, but I heard one song where they said Sali Nago. Mm-hmm. What is Nago? Garinago. Garinago. Garinago, which is the plural for Garifuna. Okay. So that is the plural. We are Garinago as a nation. Okay. Okay. Because Nago is an African nation. Okay. And so we have songs in Haiti that salute the Nago. So that's what I thought it was, but because I was trying to listen to the rhythm to see if it's the same drums, because we have different drums that we use in Haiti as well. Well, you know that the music of the blacks. Fom mi mye, kason, fom, jen ti fi kouti le zon. Pwa menen jen nou nan tou gra kwen jile ya. Cheche mari nou, cheche madame nou, cheche fre nou, se nou. Pwa menen jen nou, cheche pitit nou. Ti bebe ki nan teke kote yo. Fose sa a fe tout san mou trisa yo. Yo tout disparet an ba grif met sauvage yo bayi kolon blan. Les nous fournis, j'ai gardé tout partout sous filéa. Au lieu nous jouer une famille, nous yo. C'est un sarcin, sanguinaire, nous voit. C'est Ardor, sans famille, nous yo. A dégoûter, à le bon joyau.